Donc Gers Farine, c'est entre 35 et 40 000 tonnes de farine commercialisée sur 700 à 750 clients artisans répartis assez harmonieuseement entre Midi-Pyrénées-Aquitaine avec un petit peu dans le sud-est, notamment à Perpignan où nous avons un dépôt. Donc le groupe Gers Farine, c'est aujourd'hui un site principal à Sainte-Christie, un site secondaire à Astafort à 40 km d'ici et une usine à Grenade-sur-Garonne qui ne fait que de la farine biologique. Gers Farine représente 15% des parts de marché de farine en Midi-Pyrénées et également à peu près 15% en Aquitaine. On a une marque leader régionale qui s'appelle Croustidor, qui est la marque qu'on met en avant avec un accompagnement auprès des boulangers. Et puis on a une marque qui est en train de prendre des parts de marché de façon significative, qui est une farine label rouge et qui s'appelle Petit Bonheur. La vocation initiale de Gers Farine était effectivement de transformer les blés des producteurs gersois. Donc c'est toujours sa vocation. Donc il nous faut des blés irréprochables au niveau protéines parce que le client final qui est l'artisan boulanger est très exigeant. Donc il faut effectivement qu'on ait une forte qualité afin de pouvoir se différencier sur le marché très concurrentiel de la boulangerie artisanale. Le laboratoire qu'il y a ici chez Gers Farine va tester les qualités intrinsèques de la farine et ensuite sur le laboratoire de panification sur roche, on va faire du pain pour voir comment réagissent nos farines en situation réelle. Une des activités importantes de Gers Farine, c'est l'accompagnement financier des boulangers. Et c'est aussi une agence immobilière qui a pour vocation que de ne vendre du fonds de commerce. Ensuite, vous avez un accompagnement marketing dont la vocation est de personnaliser la communication de nos boulangers. Et troisième aspect, l'accompagnement technique de nos boulangers. C'est un argument important pour pouvoir être leader sur le marché régional. Ici, à Gimont, on réceptionne beaucoup de blé tendre, du blé dur, du blé de qualité qui part directement à la meunerie. Et après, on a des oléagineux, on a du colza, on a du tournesol. L'agriculteur, il arrive, on prend l'échantillon en trois points dans sa remorque, on le passe au mini-séparateur. Ensuite, il y a une autre étape qui vient, c'est l'analyse du GMF et du mitadin. On fait des classements en fonction des pourcentages trouvés et nous le mettons dans des cellules qui correspondent. Pour un bon stockage, il faut mettre les grilles adaptées au nettoyeur séparateur. Et après, une fois que c'est dans les cellules, bien faire attention de le refroidir dans les moments voulus pour avoir un stockage sur une longue durée. Et en fonction des températures extérieures, on souffle aux heures les plus froides et les moins chères. La coopérative vient d'investir sur 5 cellules de 500 tonnes à fond conique, avec un nouveau plan de circulation, avec des nouvelles fosses. Ensuite, on a aussi deux grosses cellules de 2500 tonnes qui étaient déjà, ce qui fait une capacité de 7000 tonnes. Notre point fort, je dirais, c'est la proximité, donc d'avoir une multitude de sites donc, sur la région, au service donc, des adhérents. Donc à la réception, on fait une analyse, donc on fait l'EPS, la protéine, l'humidité et les impuretés. Alors le plan de stockage prévisionnel se fait sur l'ensemble des sites. Donc à la fois avec, ça c'est la partie technique, c'est le fichier client qui nous donne à peu près les surfaces qui ont été ensemencées. Et en fonction de l'année, on multiplie par un rendement moyen. Et ensuite, on essaie de prédéterminer la qualité avant la récolte. Et donc, en fonction de ça, on a un certain nombre de cellules et on va affecter donc, les cellules à différentes variétés. La phase importante, ça va être la conservation du grain. Donc, on va surveiller les températures afin d'éviter donc, la prolifération de moisissures et d'insectes type charançon. Donc, au niveau de la traçabilité, donc, il y a un prélèvement sur chaque réception et nous constituons un échantillon moyen par cellule qui nous permettra d'identifier la qualité et de pouvoir aussi le quantifier. Je suis exploitant agricole céréalier sur une surface de 150 hectares dont la moitié est occupée par du blé tendre et du blé dur. Les blés tendres sont tous sous contrat filière tracée, culture raisonnée contrôlée. On a un très très bon suivi parcellaire. Bon, nous démarrons d'abord par des analyses de sol. On cale des objectifs de rendement. Et en fonction de ça, on va déterminer des préconisations, surtout pour la dose d'azote globale et affinée en fin de cycle pour les qualités supérieures pour les protéines. La traçabilité est totale puisqu'il y a au départ l'identification de la parcelle, des numéros de lots qui sont accordés à chaque livraison. Les trois critères qualitatifs à respecter au moment de la récolte sont un taux d'humidité de 14,5%, un taux de protéines de 11% minimum,
ainsi qu'un poids spécifique de 76. La coopérative met à notre disposition un logiciel d'enregistrement sur le site extranet, logiciel s'appelant Scripto. Là-dessus, nous identifions toutes nos parcelles et nous enregistrons toutes nos interventions, que ce soit du travail du sol jusqu'à la récolte et bien sûr le bilan azoté total. Il faut savoir que nous sommes dans une zone vulnérable, donc soumis à la directive nitrate. Et pour cela, nous fixons des objectifs de rendement sur une parcelle et nous fractionnons ces apports-là en plusieurs passages, c'est-à-dire 3, 4, voire 5, pour avoir un minimum de reliquats dans le sol, donc préserver les nappes phréatiques et l'eau. Nous avons des listes de produits applicables et après visite du technicien sur la parcelle, nous déterminons les seuils de nuisibilité et nous appliquons les doses et les produits référencés sur ces parcelles-là.